Bonjour, alors j'ai reçu plusieurs messages hier, ça m'a fait rire. Bon, bah, vous verrez tout à l'heure. Alors, donc, sur mon adresse étoiledemidioutlook.fr au sujet du maître de midi. Bon, hier, il a encore fait un coup de maître avec des questions hyper faciles, d'accord? Donc, on va dire presque des questions de bébé. Et donc, il a gagné 10 000 euros. Et après, il a pleuré. Et donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages pour me demander pourquoi il pleurait. Alors, moi, je vais vous. J'ai une idée. D'accord? Bon. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, il est là depuis 107 émissions. Il commence à connaître un peu le jeu. D'accord? Il a fait 34 coups de maître. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il a pleuré 34 fois. Plus les vitrines. D'accord? Bon. En plus, dans le message, il paraît que les larmes. Il n'avait pas de larmes dans ses pleurs. C'est-à-dire qu'il paraît que quand il pleure, il n'a pas de larmes. Bon, ça, je ne suis pas là pour vérifier, etc. Quoi, bon, passons. Mais, alors, moi, ce que je pense, d'accord? Je pense que. Parce que, bon, il y a un truc qu'il faut savoir. Stéphane, il l'a dit, il a tout appris par la télé. C'est-à-dire que, bon, il a dit qu'il ne lisait pas et que tout ce qu'il avait appris, c'était par la télévision. Donc, c'est ce qu'on appelle un enfant de la télé. D'accord? Bon. Et un enfant de la télé, il sait maintenant, il sait comment ça marche, il sait comment fonctionne TF1, il sait comment fonctionne Jean-Luc Reichmann, etc. Les gens ont besoin de larmes et d'émotions. D'accord? Bon. Jean-Luc Reichmann joue sur le fait qu'il soit ouvrier. Lui, il a compris qu'il faut qu'il pleure et puis qu'il faut qu'il balance son petit doigt au ciel pour son père qui est mort il y a 30 ans. Bon, d'accord? Bon. Donc voilà, c'est juste, le mec, il a tout compris. Donc voilà, après que les mecs, qu'il y ait des gens qui pleurent derrière leur écran en le voyant pleurer, ok, c'est pas grave, hein, ça veut dire que si des gens pleurent, ça veut dire qu'il joue bien son rôle, d'accord? Si les gens se marrent comme moi, ça veut dire que bon, bah, ils ont vu comment ça se passe, mais bon, c'est pas grave. Donc le truc que j'ai remarqué, Stéphane, c'est un enfant de la télé, il a tout compris. Donc tout le fric qu'il gagne en ce moment, c'est parce qu'il a tout compris. Donc bon, il sait des trucs, d'accord? J'ai jamais dit que c'était comment dire, un abruti ou n'importe quoi. Non, non, il sait des trucs, d'accord? Mais il a compris des trucs, il a compris comment la télé fonctionne. Parce que bon, je sais pas si vous vous rendez compte. Bruno, il a gagné 1 million d'euros et il n'a pleuré qu'à la dernière. Pourquoi il n'a pleuré qu'à la dernière émission? Parce que lui, il n'avait pas tout compris. Allez, je vous dis à tout de suite parce que là, j'ai reçu un autre message qui m'a beaucoup fait rire. Allez, à tout de suite.